Bonjour, princesse. Oh. Oh. Bonjour, ça va? Ferais-tu la grasse matinée? Pourquoi tu dis ça? C'est déjà l'heure de se lever? Oui, et il fait un temps magnifique. Bonjour, Pompette. Bonjour, où est la gouvernante? Tu te souviens pas que c'est son jour de repos? Oh, oui, c'est vrai. Oh, veuillez nous excuser, nous avons eu une panne de réveil. Majesté, dois-je vous rappeler que je suis le cuisinier, pas la gouvernante? Vous pouvez disposer, nous nous débrouillerons. Très bien. J'ai une bonne idée. Je vais remplacer la gouvernante. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous servir votre petit déjeuner. Oh. Entendu, si tu y tiens vraiment. Oui. As-tu besoin que je t'aide? Non, je fais comme la gouvernante, je fais tout toute seule. Tiens, cette tasse, c'est pour toi. Et celle-là, c'est pour toi. Des céréales? Juste un petit peu pour moi. Non, tu dois en manger un bol entier. C'est bon pour toi. Du lait? Je vais me le verser. Non, c'est moi la gouvernante, ne l'oublie pas. Merci, merci, j'en ai assez. Maintenant, de la confiture. Et encore de la confiture. Et à ton tour d'avoir de la confiture. De la bonne confiture. Et il faut tout finir. C'est délicieux. Oui, c'est exquis. Vous savez ce que je vais faire? Je vais remplacer la gouvernante toute la journée. Je rangerai et je ferai le ménage dans toutes les pièces du château. Oh, petit cœur, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Dis oui. Pour l'instant, tu vas commencer par ranger ta chambre et nous verrons comment tu t'en sors. Ça d'accord. Mais d'abord, il faut que je me prépare. Allez, viens, Doudou. Vous êtes vilain. Oh, que la vie peut être belle. Je n'arrive pas à trouver de tablier. Hein? Rien entendu. Mon tétard? C'est quoi? Dépêche-toi! Il y a une horrible bête qui a mangé mon joli petit tétard! Et elle s'est installée à sa place dans le bocal! Regardez! C'est quoi? Et rassure-toi, c'est une grenouille! C'est une vilaine! Elle a mangé mon tétard! Mais non, elle n'a pas mangé ton tétard! Ton tétard est devenu cette grenouille! Quoi? Mais oui, petit cœur, c'est ce que deviennent les tétards en grandissant! Oh? C'est vrai, princesse, la nature veut que les tétards se transforment en grenouilles. Mon tétard a grandi, il est devenu une grenouille. C'est quoi? C'est quoi? Princesse, tu as vu? Mon tétard a grandi et il s'est transformé en grenouille verte. C'est quoi? Mais n'aie pas peur, le chat, c'est une grenouille, une petite grenouille. Une grenouille? Ça te plaît? Tu es contente? Oh oui, je l'adore, elle est rigolote. Je vais la garder tout le temps avec moi, on va bien s'amuser. C'est quoi? Allez, ma grenouille, vas-y, saute. Et encore, encore, encore. Tu sais que j'ai une grenouille? Et une grenouille? Oh ma, est-ce que c'est contagieux? Non, ce n'est pas contagieux. J'en suis moins sûr que toi, j'en ai vu plein par ici, ça s'attrape. C'est quoi? C'est quoi? Bonne nuit, dors bien, fais de beaux rêves. Fais un bisou à mon doudou. C'est quoi? Tu n'en as pas fait un, ma grenouille. Bonne nuit. Wow.
C'est quoi? 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 Qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Ce sont les grenouilles qui coassent. Ce n'est pas possible. C'est quoi? 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 Ta nouvelle amie est vraiment pleine de vie. C'est quoi? Oui, mais elle fait beaucoup trop de bruit. C'est quoi? Elle en a fait toute la nuit et elle m'a empêché de dormir. Ce n'est pas drôle. Peut-être que ses amis lui manquent. C'est quoi? Peut-être, tu as raison. Tu as toujours l'intention de la garder avec toi, n'est-ce pas? Eh bien... C'est quoi? Ce n'est pas un crapaud, tu ne pourras pas l'embrasser. Quoi? Tu ne connais pas l'histoire de la princesse et du crapaud? Oh non. Lorsque la princesse embrasse le crapaud, c'est quoi? Il se transforme en un beau prince. Oh, c'est dégoûtant! Au revoir, petite grenouille. Va vite retrouver tes amis. C'est quoi? Allez, viens, mon petit chat. Je sais que tu n'es pas un prince, mais tu es un animal de compagnie gentil et silencieux. Je vais m'en servir pour décorer le dessus de mon gâteau. Je t'explique. Je pétris et je fabrique le corps avec du bleu. Là, je mets les bras. Voilà, comme ça. Et maintenant, je serre bien fort le tube pour faire sortir le rouge qui me servira pour le pantalon. Oh non, mon bel uniforme. Bon, je prends des pastilles de chocolat pour faire les yeux. Et le nez. Des bonbons à la réglisse pour faire les bottes. Je reprends du chocolat pour faire le bonnet à poils. Et des petits bonbons de couleur pour faire les boutons. Oh, et dis donc, coquine, veux-tu t'en aller? Et dis au général qu'il le verra quand tout sera fini. Les gâteaux sont pratiquement cuits. Encore quelques minutes. Ce n'est pas très compliqué de faire un gâteau. Je vais peut-être en faire un tous les jours. Je vais peut-être en faire un tous les jours. Ah ! Il est cuit ! Il est cuit ! Regarde-moi ça, j'ai encore fait un chef-d'œuvre. Le mien n'a vraiment pas l'air réussi. Je ferais mieux de le goûter. Oh non! Allons, ne pleure pas. Ton gâteau est différent. Il est différent, moi je suis très mauvais. Calme-toi, ma princesse. Ce n'est pas toujours facile de cuisiner. Moi aussi, je rate des choses, parfois. Je voulais l'offrir au général et maintenant, je n'ai plus rien à lui offrir comme cadeau. Mais si, regarde, tu as fait cette très jolie décoration. Oui, c'est vrai. Et toi, tu n'as rien fait pour mettre sur le dessus de ton gâteau. Alors, on va se servir de ta décoration. Et ce sera très réussi. Ton gâteau sent vraiment bon et il a l'air délicieux. Un vrai régal pour les yeux. Oh, chut, ne faisons pas de bruit. Le général et la gouvernante arrivent. Entrez et surtout n'essayez pas de tricher. Je ne vois rien, absolument rien. Vous êtes là? Chut. C'est bon, maintenant tu peux regarder. Hein?
Oh, ça alors? Ce gâteau est absolument magnifique. Je peux savoir qui l'a fait? C'est moi. On l'a fait tous les deux exprès pour toi. Ça, c'est moi. Oh, n'ai-je pas l'air exquis et délicieux? Mais si. Et voilà. Oh, c'est un vrai régal. Quelle merveille! C'est un des meilleurs que j'ai mangé. Oh, il est très bon. N'est-ce pas, princesse? Oh, oui, délicieux. Oh, regardez, je vais attaquer mon bonnet. J'en mets ici et je la recolle. Tiens. Celle-ci va aller ici. Et celle-là va aller là. Celle-ci ici. Et voilà, fini l'automne. Au revoir. Quel est ton problème, princesse? Je ne sais pas comment je vais pouvoir me cacher dans ma super cachette si toutes les feuilles tombent et n'empêchent plus les gens de me voir. Oh! Tu crois que je dois laisser la nature suivre son cours? Eh bien, un petit peu, mais pas complètement. Oh! Ces feuilles sont vraiment grandes. Absolument, c'est un chou de première qualité. Tu pourrais m'en donner? Mais oui, bien sûr. Au menu de ce soir, il y aura un chou farci dont tu me diras des nouvelles. Je voudrais des feuilles pas cuites. Ah bon? Ouf, j'ai fini. Ta-da! Tu as eu une journée bien remplie, tu dois être fatiguée. C'est très dur d'empêcher l'automne d'arriver jusqu'au château. Ça, j'imagine. Demain, j'irai jouer toute la journée dans ma cachette. Je voudrais déjà y être. Le linge va vite sécher avec ce vent. Princesse, où cours-tu comme ça? Je vais dans ma cachette, je suis pressée. Oh, que c'est pénible. Typhon en préparation. Dépêchons, fermez les écoutilles, maintenant. Oh, le chien laisse ça. Tu entends, n'y touche pas. Oh là là là! Oh, oh là là, eh bien! Ça y est, cette fois c'est fini, je n'ai plus de super cachette! Je crois qu'on ne peut pas empêcher l'automne d'arriver! Chère princesse, là-dessus je crois que c'est toi qui as raison! Les feuilles sont jolies quand elles sont sur les arbres, mais quand elles sont tombées, elles ne servent plus à rien! Ne fais pas ça, arrête! Tu trouves ça drôle? Tu es toute contente? Ta super cachette ne te manque pas? Je viens de découvrir un autre jeu encore plus rigolo! Vraiment? Quel jeu? Un jeu qui peut se jouer uniquement en automne. Il s'appelle Sauter dans les feuilles. Oh, bravo! Tu sens vraiment...